Le premier ministre d'Antigua et Barbuda, Baldwin Spencer, est actuellement en Haïti pour une visite de 48 heures. Le chef du gouvernement d'Antigua et de Barbuda a été reçu au Palais national par le président Michel Martelly. Les deux hommes ont signé deux protocoles d'accord dans des domaines relatifs à la culture, l'éducation et le tourisme. Le président Martelly a salué la visite de Baldwin Spencer. Selon lui, la venue de M. Spencer témoigne de sa volonté de continuer à travailler pour le développement des deux pays. À travers la discussion que nous avons fait aujourd'hui, hein, nous parlons de possibilités pour nous faire des échanges culturels, faire la promotion de l'artisanat dans Antigua, faire la promotion de la culture haïtienne, de la musique haïtienne dans Antigua. Une façon que nous avons fait, c'est mettre nous déjà d'accord sur organiser une foire côté que artisans nous ont parti à l'exposer produit. Son pays qui pratiquement 65% PIB dépend de revenus touristes là. Donc son pays côté économie n'est qu'à dire basé à 65-70% sur le tourisme. Qui impacte la bien? Le touriste commence à consommer ça que nous-mêmes nous avons produit. C'est création d'emplois. C'est eux qui m'ont parlé nous. Renforcer coopération à travers l'éducation. Nous parler de ça. La coopération à travers le secteur touriste, là. Nous parler de ça. Les échanges commerciaux. Nous avons dit que nous sommes région. Et puis voilà que, des fois, ou pas même une ligne aérienne pour aller dans le pays, région, ou pas une ligne aérienne. Des fois, il y a un problème visa. Donc, je dis à nous décider pour nous travailler sur ça. Et Premier ministre Spencer, lui présenter un avocat cause là, même pour vendre produits haïtiens sous marché, car il comme non, non seulement il y a une route pour nous faire, qui j'en pour nous faire, mais il dit nous tout que lui-même l'a campé derrière nous, le nous investi dans fait là, l'a campé derrière nous comme amis, comme frères, pour le permettre nous faire. Le n'a bon produit nous dans la région, qui ça encore? Création d'emplois. Création d'emplois. Donc, je dis à c'est un grand plaisir pour moi-même qui représente nos peuples haïtiens pour me recevoir frère ça. Parce que ça qui est dans là, pour Haïti, c'est bagaille. Les gens qui sont dans la même famille, les gens qui veulent aller au même côté, les gens qui sont au même côté. De son côté, le Premier ministre Spencer a indiqué que sa visite en Haïti visait à renforcer la coopération entre les deux pays. The future of the Caribbean is going to be greatly dependent on how well Haiti is able to play a pivotal role in the future development of this region. And I sincerely believe that, and that is why we have to ensure that foundation is now being laid so that Haiti will be able to play a pivotal role in the future development of the Caribbean. So as we celebrate, since we are in the Yuletide season, and as we celebrate Christmas and we prepare for the new year 2013, let us all be mindful of the fact that all our destinies are interwoven, intertwined. We are one big family in the Caribbean. L'ambassadeur d'Allemagne déplore la lenteur observée dans la mise en place du Conseil électoral permanent. Monsieur Klaus Peter Schick, qui était l'invité de la rubrique Le Point ce mardi, estime que ces retards sont un mauvais signal envoyé aux bailleurs de fonds. Le diplomate a fait remarquer que l'Allemagne a déjà déboursé 47 des 50 millions d'euros promis à Haïti. Le diplomate a précisé que ces fonds ont été engagés dans la construction de 3600 maisons, de 5 centres de santé et dans 4 projets d'aide aux pêcheurs, principalement dans la zone de Léogane. Sur le plan politique, il y a du progrès. Parce qu'on avait quand même deux mandats du président Préval qui sont bien passés, qu'on a
élu selon les normes démocratiques. Et puis, il y avait donc le transfert pacifique après Préval au président actuel, qui est le président Joseph-Michel Martelly. Donc ça, on peut dire, c'est du progrès. Si vous voulez avoir des investisseurs de l'étranger, si vous voulez avoir des touristes, la stabilité politique, c'est très important. Pour un Allemand qui veut que ça progresse très vite, je crois que c'est un peu difficile à comprendre qu'ici, les choses prennent beaucoup de temps pour se développer. Par exemple, ce qui me frappe, et par exemple, c'est le CEP. Pour moi, c'est difficile à comprendre. C'est un organisme qui était une institution qui est prévue dans la Constitution d'Haïti depuis 1987, je crois. Et seulement en 2012, un président a pensé que vraiment il faut établir cette institution. Mais pourtant, aujourd'hui, presque la dernière semaine de l'année, on n'est pas encore là. Au bout du chemin, on n'a pas encore le CEP parce qu'il manque toujours 3 membres du Parlement. Parce que c'est une précondition pour que les bailleurs de fonds vont débloquer des fonds pour les élections qui sont déjà un peu tard. Ça pose problème pour la confiance, je veux dire, la confiance de l'étranger que Haïti est en mesure de préparer l'avenir. Et je me félicite que le gouvernement actuel a donc repris un peu ces choses en main. Ils ont, à mon avis, décidé d'établir ces institutions qui sont prévues dans la Constitution, et c'est une très bonne chose. Et il faut les accompagner dans ces efforts. Une cérémonie d'adieu a été organisée ce lundi en l'honneur de l'ambassadeur français en Haïti, Didier Lebray, arrivé en fin de mission. Le diplomate a salué la relance de l'économie, initiée par le gouvernement, autour des deux axes structurants que sont le tourisme et les zones franches. Didier Lebray a profité pour lancer un appel à l'unité entre tous les secteurs en vue d'améliorer l'image d'Haïti, ternie au niveau international. La stabilité, préalable absolu au développement, sera fonction de la capacité de l'ensemble des acteurs politiques du pays à s'entendre, à recréer les conditions de la confiance, bref, à s'unir. Le dépassement individuel, aussi héroïque soit-il, n'y suffira pas. La confiance ne se bâtira qu'autour et à partir d'institutions fortes, crédibles, impartiales. C'est tout l'enjeu du CEP. Le deuxième défi, qui lui est en partie corrélé, c'est bien sûr l'insécurité. L'insécurité a cristallisé au fil des décennies la mauvaise image d'Haïti. Elle empoisonne au quotidien la vie des Haïtiens, de vos compatriotes. Bétail volé, terres confisquées, jugements achetés, actes de violence, kidnapping, la liste est hélas trop longue pour être exhaustive. Toute la chaîne pénale doit être revue. Police, tribunaux, prison. La fin de l'arbitraire, quand ce n'est pas purement et simplement le déni de justice, passe par une réforme en profondeur de ces institutions. Dans les affaires récentes qui secoue la vie haïtienne aujourd'hui, les décisions de justice auront valeur d'exemple. L'impunité, on le sait de longue date, renforce et prépare les crimes de demain. Pour que le départ programmé de la MINUSTA, mon cher Mariano, ne plonge pas à nouveau le pays dans le chaos, cette réforme, sans doute, sera la plus difficile. Ce sera la mère de toutes les batailles. Le troisième défi, enfin, est économique et social. Haïti, vous le savez, transforme ce qui l'habite. Elle nous rend meilleurs, elle nous rend plus humbles et pour tout dire plus humains. Votre présence parmi nous ce soir, Monsieur le Président, me touche particulièrement. J'en mesure le privilège. C'est également un immense honneur que vous faites à travers moi, mon pays. Mes chers amis, dans quelques jours, je prendrai la direction du centre de crise du Quai d'Orsay. Soyez gentils, soyez de vrais amis. Ne m'oubliez pas lorsque vous serez de passage à Paris. Manifestez-vous, mais par pitié, ne m'obligez pas à revenir trop vite. Ce serait mauvais signe pour Haïti chéri. Merci. Le produit touristique haïtien est prêt à être mis sur le marché international.
C'est ce qu'a fait savoir ce mardi la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Villedroin, qui faisait le bilan du travail réalisé à la tête de ce ministère au cours de l'année 2012. Tout en reconnaissant que beaucoup reste encore à faire, Mme Villedroin a indiqué que les progrès réalisés dans le secteur commencent déjà à porter leurs fruits. Elle annonce en ce sens l'arrivée en Haïti d'une quarantaine de touristes de loisirs pour le mois de janvier 2013. La première année, c'était vraiment une année de consolidation du produit. Ça veut dire que ça, nous travaillons en plus sous formation, nous faisons pas qu'une formation continue au niveau du Sud, nous accompagnons les hôteliers, nous ne voulons pas mettre de côté tous ces hôtels qui au niveau de province, nous voulons au contraire bailler au niveau de service de standard et intéressant côté touriste dans leur venir qu'à joindre un bon service. C'est tout ça nous fait pendant l'année, ça, aménagement de sites touristiques, pas besoin de citer au larme, qu'on est que tout le monde au courant de qui ça nous fait souterrain. L'idée qu'on a, c'est que nous dit que le produit nous paraît. Oui, Haïti recevoir touristes, mais n'importe quoi recevoir vraiment touristes de loi. Un touriste qui achetait un forfait touristique. Et là, c'est la première fois depuis très très longtemps que nous gagnons un forfait touristique qui vend au niveau de Air Transat. Et débat est concret, le 23 janvier, nous avons 40 et touristes qui bloquaient, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué 40 sièges et qui t'a capable de permettre qu'on y a que nous remonter l'activité. Ça. Donc, tu as aimé profiter, saluer l'association touristique d'Haïti qui donne un gros main, tout secteur privé qui te mettait ensemble, tout secteur privé Côte des Arcadiens, secteur privé Port-au-Prince, les opérateurs, parce que, et bien entendu, m'ka fait toute promotion pays en vle, m'ka dit pays en belle, mais au moment du service, au moment de l'hébergement, il faut maintenant avoir ce partenariat avec le secteur privé, et m'pense que dans le secteur touristique, nous gagnons Paris, ça réussit ça. Le programme BAM Libye, BAM la vie, qui consiste à l'installation de lampadaires un peu partout à travers le pays, se poursuit. Le week-end dernier, les responsables de ce programme étaient à la vallée de Jacmel, où ils ont installé 55 lampadaires. Suivez les explications du coordonnateur de ce programme, Narcisse Junior Méroné. Dans la vallée de Jacmel, pour nous faire la vallée de Jacmel profiter du programme non? Que le gouvernement Matéli Lamotte a mis sous pied dans le cadre des problèmes et gouvernance énergétique que nous avons, que le gouvernement a mis sous pied pour avancer dans le programme Lumière Peuple. Dans tous 10 départements, on a profité pour nous et fait grand public la connaissait pas au niveau de Port-au-Prince seulement qu'on est intervenu, mais nous intervenu dans les communes que province et Haïti au connaît. Mais le programme c'est 8 par section communale, 25 par chef lieu de commune, Kakou, Boukio, Mendekarele, Centre-Ville, c'est comme ça nous baillons dans tous 10 départements, dans toutes communes.